Voilà, alors le concept, ça s'appelle The Melting Fudge Concept, pour donner le nom en entier une fois. Ça allait des chœurs des classes, il y avait des chœurs à Tête Bénon-Besson, il y a l'orchestre d'Yverdon qui a donné une répétition générale à l'Étoile, il y a des groupes de rock à l'Amalgame, il y a de l'électro à l'Échandolle. Sur la place Pestalozzi, il y a différents styles qui se sont succédés, comme sur la place de l'Amitié en extérieur. Comment le public a perçu ce concept? Alors, ça c'est pas à moi de le dire, mais je sais pas. Je pense que c'était audacieux ce qu'on a fait, et puis c'était sans concession, comme j'ai pu... Ce que j'ai entendu, c'est que c'était sans concession. Puis j'en suis assez fier, en fait. Ça veut dire que, voilà, c'était un peu craboum, comme c'est venu, et puis on n'a pas trop lissé les angles, mais c'était ça qu'on voulait. Extraordinaire parce qu'on a travaillé avec une équipe de musiciens géniaux.